avec le groupe, on est content de tous se revoir. Et c'est sûr que première sensation sur le terrain, ça fait plaisir. Voilà, on était encore impatients d'être là. Après, il y a eu test physique. Bon, on est obligé de passer par là, c'est normal. Et voilà, on est tous contents. Ce matin, on a fait une réunion de rentrée parce que c'était vraiment la rentrée officielle. Et puis de revenir sur le terrain, c'est toujours plaisant. On va chercher des choses, on regarde aussi au niveau du mental. On voit que Tanguy a fait énormément d'efforts. C'est toujours bien de voir aussi le moral des joueurs. Et ce matin, on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui ont lâché et ils ont fait un très bon test. Bonne sensation, reprise un peu dans le dur parce qu'on a quand même fait un gros test physique. Voilà, c'est se remettre un peu dans le bain. On va doubler les séances tous les jours. Au fur et à mesure, on va trouver nos repères, le rythme. Donc voilà, on est prêt. Semaine, même je dirais gros mois de juillet, parce qu'on voilà, va se préparer tout le mois de juillet, voilà, on va avoir 2 entraînements par jour, on va partir en stage, donc on a fait une grosse préparation, mais comme chaque année, ça va pas changer de parce qu'on est en Ligue 1, ça va changer de préparation. On est tous contents, on est impatients. Après, il y a quand même une prépa. Il faudra bien travailler, avoir de la rigueur, de la discipline. Et après, on verra par rapport à la Ligue 1. Une nouveauté, ouais, des nouveaux stades, de nouvelles équipes à affronter. Donc, c'est toujours excitant. Après, voilà, comme je l'ai dit, on n'y est pas encore. On a le temps de se projeter sur la suite. Là, l'essentiel, c'est de faire une bonne préparation, d'être prêt pour justement être performant tout au long de la saison.